Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Pokémon Showdown. J'avais envie comme ça. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de match stratégique. Enfin, ça fait un bon moment, hein. Ça doit faire 6 mois. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de match stratégique. Ça doit faire un bon moment, donc à mon avis, le tir a dû changer. On va faire de l'OU. Alors, vous devez sûrement vous dire, what the hell, pourquoi il a un Pokémon est nu dans sa team. What the hell? Et bien tout simplement, ce Pokémon il est là. C'est pour les Zygarde, parce que il paraît que Zygarde est une menace dans ce tiers maintenant, c'est nouveau, alors que Zygarde jusque là, bon, voilà. Ben, on m'a dit que Zygarde était une menace dans ce tiers. Et ben voilà. Et ben j'ai trouvé une solution. Voilà, avec Infiltrator et Switchero. Eh ben, il peut pas se placer le mec. Voilà, j'ai pas pris Tapu Bulu, parce que Tapu Bulu il est pas Switchero, il a pas des conneries comme ça lui. Il est rapide, parfait du veille rapide. Il tape fort avec les lunettes choix. Ou alors tu mets sur un Pokémon qui se place, genre un Levenard, un Zygarde avec Glare, ou une connerie du genre, oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Zygarde avec Glare, donc. Voilà. Puis HP Ground, si jamais il y a un Heatran qui se dit safe et tout, et puis boum, voilà, le HP Ground dans la tronche, ça fait pas forcément du bien. Voilà, puis les deux stabs, bon, voilà, puisque généralement quand ils voient ça, ils se disent bon, le dernier move c'est demi-tour, je suis safe, j'arrive avec Heatran. Eh ben non! Là. Voilà, donc une ultime que j'ai fait pour le LOL. Voilà, bon. Sinon, c'est du classique, hein, des météros défensifs avec Toxic. Amphinobi, Sachanobi, Lunette Choix, Galan dans Slam, Heatran, Full Vitesse, pour pécho un autre Heatran en face si jamais, Tornadus défog, enfin bon, le reste c'est du classique. Voilà. Et bien c'est parti les enfants, let's go. Voilà, j'espère. Est-ce qu'il y a des gens dispo pour un match? Oui, il y a des gens dispo pour un match. Oui, Scuratlis et Spectic Zygarde. Ah bah très bien, ouais. Ah mais d'accord, à ce point-là. Putain. Alors, voyons voir. Ouais. Bon, je suppose qu'on va lead avec Amphinobi. Est-ce qu'on lead avec Demeteros? Parce que Demeteros, je pense que je peux en avoir besoin pour ce mec-là. Donc, on va lead Amphinobi. Landorus, voilà, parce qu'il a les Landorus Terrian, c'était sûr. Et là, il n'y a rien qui vient survivre obscur. Ce que je vais faire, est-ce qu'il a un Defogger dans sa team? Non. En tout cas, pas de Defogger. Enfin, s'il a des Demeteros, mais il reste jamais, quoi. Mais le Dark Pulse, il est absolument gratuit, en fait. Ouais, mais si je fais Spikes, après, il va se placer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Dark Pulse. Il reste. D'accord. Alors ce gars est très étrange. D'accord, ce gars reste très bien. Très bien. Ce gars, non, il se dit pas. Oh tiens, je peux pas placer Mega Galam. Non. Ok, bon. Ah, écoute. Le mec, il laisse un Demeteros face à un Greninja. Bon après, c'est vrai qu'il a pas de switch-in, mais. Moi j'aurais pas laissé des Demeteros comme ça, hein, sachant ce qu'a un Heatran qui peut faire Magma Storm, enfin j'ai des trucs hein. Tu mets Cartana sur un Amphinobi toi? Ah ouais putain, il met un Cartana sur un Amphinobi, t'es chaud toi. Bon par contre lui c'est sûr qu'il a la graine psy, parce que quand il a Tapu Lele un Hoopsha, c'est qu'il a la graine psychique pour Sweep Tout, donc va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Et voilà. Donc il faut que je garde mon Amphinobi, que je garde mon Demeteros. Bon, du coup. Ah oui, du coup, lui, il va pouvoir se placer. Bon, heureusement, j'ai Farfa Duvet. Comme quoi. Heureusement, j'ai ce Pokémon. Mandraco. Tu vas pas kiffer Moonblast, parce que je suis lunette choix. Ha! C'est tout ce que t'as pour me toucher. Allez, bon voyage. Allez, casse-toi, Ben. Allez, dégage. Allez. Du balai, allez, c'est bon. Allez, boum, voilà. Ah oui, par contre, il a placé son Alusha. Bon.
Bon, en tout cas, je suis plus rapide que lui, donc ce qui prouve que il serait lunette choix. Voilà. Tête choix. Voilà. Blacéphalon. Oui. Je peux le laisser. Attends. Wait. S'il se bloque sur une attaque de type feu, j'ai Tran. Et s'il se bloque sur une attaque de type spectre, j'ai lui. J'ai lui. Et lui, il peut arriver à faire Magma Storm gratos. Non, je suis de ce quoi. Oh, il switch! Pourquoi il switch? What the fuck? Il anticipait quoi, le mec? Il a cru que j'allais switcher sur Itren. Bah non. Non. Pourquoi mon Farfadet je veux dire, bon, il sert plus trop maintenant. Parce que t'as Oumcha qui le défonce, t'as lui qui le défonce, et puis Devetéros, bon, j'ai d'autres moyens de le gérer, quoi. C'est un peu bizarre comme mec, toi. Bon, Oumcha, bon, il va attaquer. Machin. Ça va être géré tranquillement. Et il a forfait. Allez, bonne journée, mon gars. Allez. Bon, du coup, c'est à compte vierge. Donc, forcément, oui, je gagne beaucoup de points. Voilà. C'est normal. Au début, on gagne beaucoup de points. Puis, c'est après qu'on gagne de moins en moins de points et qu'on peut en perdre de plus en plus. Anyways. Oula. Là, ça commence à devenir un peu plus menaçant déjà. Ouais. Bah, valide. Bah, mais si je lis de ça. Ah, c'est énervant. Bon, j'ai lit de Boréas. Ah, très bien. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai pas de switch in pour ce truc, par contre. Mon seul switch in, quand tu dis que ton seul switch in à Weavile, c'est en Finobi. T'es pas très confiant. Ouais, il a le sabotage absolument gratuit. Là. Tous les jours, tu fais sabotage. Tous les jours. Quoi? Je suis plus rapide que lui? What the fuck? Ok. Bah, je me suis dit d'aller faire sabotage. Donc, je suis resté. Parce que sabotage est absolument gratuit sur ma team. Il n'allait pas faire chute glace parce que je mets Itran et il est en PLS derrière. Sabotage absolument gratuit. Et son truc avait l'air d'être rigide en tout cas. Allez, le toxique qui part. Voilà. Tu t'attendais pas à toxique, hein. Ah, bon, je m'en fous. Il a régé force. Je m'en bats les couilles de toxique. Bah, du coup, Farfaduvet absolument gratuit. Non, j'en ai besoin pour encaisser le Greninja. Je suis en Finobi qui est absolument gratuit sur sa team. Scald. En espérant qu'il soit pas SPDF. Bon, je peux placer une couche de picot. Voilà, parce que bon, il ne fait pas grand chose. Je peux placer une couche de picot dans sa tronche. Voilà. Bon, il fait séisme. Ah putain, il fait mal quand même. Bon, il va s'attendre à ce que je veuille mettre une autre couche. Donc je vais mettre Boréas. Voilà. Ben, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Allez, vent violent. Et je rate pas. Nice. Nice. Parce que d'habitude, je rate tous mes vents violents. Donc. Allez. Ah oui. Alors par contre. Non, ça va, j'ai Itran. J'ai Itran. C'est bon, je gère. Plus pire, j'ai lui. Violent. Est-ce qu'on a les balls? Ah, il fait piste au point direct lui. Ok, alors c'est pas le méga, c'est oui le misclic. Ouais, je mets Itran, non? Je vais faire provoque, c'est parce que c'est très probable qu'il switch sur Latios et il pourra pas de fog. Voilà, donc je vais faire provoque. Ah, il met Greninja. Tu mets Greninja sur un Magma Storm, toi. Ok, très bien. Ah,
de rien, c'est énervant. Farfa duvet, à toi. Water Shuriken. Regardez-moi ces dégâts. C'est nul, nul, nul. Allez, on va double switch sur Etran, hein, il va s'en aller. Hein. Mais quoi, mais Farfa duvet qui est plus rapide que Greninja, il a pas mis 10 V sur ses Pokémon, c'est pas possible. Mais Storm, hein. Ah, oh, il met Latios. Ah, oh, d'accord. Peut-être qu'il a séisme. Peut-être qu'il a séisme. On va peut-être pas faire les cons. Peut-être qu'il a séisme. Ah non, il a Dracobiteur sur un Itran. Ouais, tu chopes. Ouais, le mec, il fait Dracobiteur sur un Itran. Bon, ouais, il vent violent. Comme ça, ça lui fera des dégâts. Et puis, bon. Oh, il rate. What? Un saint mon chercheur à la Tios. D'accord, on va faire feu du V gratuit. Hein. Oui, pas. Bah, je finis. Voilà, puisqu'il va laisser mourir son Pokémon, c'était sûr. Voilà, hop. Là, c'était sûr qu'il allait laisser. Et il remet en Funobi. Ta fuck, boss. De toute façon, les autres. Ouais, c'est bizarre quand même. Mais de toute façon, les autres, ils déglinguent. Donc bon, c'est pas grave. En même temps, tant y aller. Darmanitan, très bien. Moi, je bourrine. Hein. De toute façon, ce Pokémon-là va mourir. Oh, il a anticipé le Heatran. Bah non, pourquoi je ferais ça? Je ne me sert plus à rien, ce Poké. Il me sert à rien. Tu veux que je fasse quoi? Bon, ok, écoute, si tu veux le laisser en vie, c'est gentil, hein, mais ça sert un peu à rien, quoi. Du coup, je vais mettre des Vétéros pour l'intimité, parce que ça, il a pas de méga sur son Pokémon. Ah si, c'est une méga, bah voilà, pourquoi il a pas fait plus tôt l'aile. Du coup, demi-tour, parce que s'il place une danse lame, je suis là. Hein. Là. Surpuissance, ok, rapide. Ouf, d'accord, il fait surpuissance. Est-ce qu'on le finit avec une attaque à la con? Ouais, on va finir clean. Allez hop, Water Shuriken, ça dégage. Allez. Ouais, de toute façon, j'avais pas d'attaque à la con avec laquelle le finir. Non, ouais, si j'avais tour rapide, j'aurais pu le faire, tu vois, mais bon, je sais pas tour. Du coup, bon, pour l'instant, c'est des victoires faciles, mais vous allez voir que petit à petit, ça va devenir difficile. Voilà. Alors. Ah. C'est quoi ces types de l'angoisse? Avec Eoko et Desseliand et Noctalie. Oulala, c'est quoi ces types de l'angoisse? C'est une team thématique? C'est quoi le fuck là? Bon, j'ai une Greninja qui est absolument gratuite. Une Angélique Boréas qui est encore plus gratos. Lol. Oh bah. Eoko, c'est le truc de l'angoisse avec force cosmique, hein, à mon avis. Donc toxique direct. Hein, on va pas chercher les embrouilles. Voilà. J'en étais sûr. Les trucs de l'angoisse avec Cosmic Power là. Hein, que tu vas te calmer tout de suite avec tes Cosmic Power. Espèce de Pokémon. On va te switcheriser directement, parce que j'ai pas envie de merde avec des Eoko qui se placent avec force cosmique. Hein, voilà, maintenant t'es bloqué sur force cosmique, t'es en PLS. Ah bah oui, hein, ah bah oui, c'est con, hein. Ah bah oui, c'est con. Ah bah oui, c'est con ça. Ah bah oui, le forfait, ah bah voilà. Ah bah oui, hein, ah bah voilà. Quel dommage. Ah là là. Il n'y a que 5 Pokémon, lui. C'est quoi ça? Mais les gars, mais... Vous faites du mal, hein. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Diggersby, bon, le piège de rôle. Normalement, je devrais tenir un point glace, hein. Mais même si ce truc a Coloforce. Celestia, ok. Bon. On voit plus beaucoup Celestia, on a eu, n'empêche. Hein. C'est... Ouais. Ce truc va faire Vampigraine et faire chier. Ouais.
Ah voilà. Lol, lol, je vais faire abri. XPTDR. C'est ça? Tu vas faire abri, hein? Bon, oui, tu vas faire abri, le petit Celestial là. Oh bah oui, hein. D'accord, il switch sur le Vénard. Tu mets le Vénard sur un Heatran qui peut te trapper, hein. T'es chaud quand même. Je sais. Bon bah. Tant cela. Ah, ça sent le Sweep and Dance. Aïe 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 aïe. C'est terrible pour le joueur français. Ah là, le terrible joueur UEC SNDHJD. C'est terrible. C'est terrible pour le joueur français. Aïe 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 aïe. Là ça sent là ça sent la débrouiller. Aïe aïe aïe. Là il n'y a rien qui prend des attaques de Galam à plus 2. Et il a left. Ah là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il a 60 secondes to reconnect. Ouais. Oui, sinon, Mega Galam défonce bien sa team. D'accord. Oui, vous voyez que j'ai fait des réparts pour Zygarde. Lol, lol. Hein, voilà. Parce qu'on m'a dit que c'était la menace du tiers. Et en effet, vu qu'il est suspect, à mon avis, ça doit être une sacrée menace. D'habitude, Zygarde, bon, voilà. Il fallait pas faire tout un tas, mais apparemment, ils ont décidé que oui. Voilà, dans Slam à plus 2. Ouais. Il y a 94%, il meurt, hein. Oh punaise, ces styles là n'existent plus mon gars, hein. Et puis, si là tient pas, donc ça veut dire qu'Entai, Entai. Bref, anyways. Allez hop là, 4ème victoire, ou 5ème. Ouais je sais plus anyways. Ah, là c'est une team beaucoup plus sérieuse et le match va être beaucoup plus intéressant à mon avis. Alors si le truc là a HP Ground, comment te dire que je suis un petit peu dans la merde. Ça va être réel. Du coup je mets Galam en lead. Hein. Il fait très mal. Hein. Quoique. Non, je vais mettre Boreas, c'est plus safe. Comme ça, au pire, s'il y a l'électeur, je le toxique. Hein. Parce qu'il fera jamais. Je le toxique au pire, hein, s'il lead électeur, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il lead électeur. À part. Ou alors. Mais en vrai, mais si je lead Galam, je mets une pression de ouf. Hein. Allez, vas-y. On est chaud, lead Galam. Vas-y. Vas-y, mon gars. Vends-moi du rêve. Galam. Ah là là. Oh, il est en Finobi en plus. Est-ce qu'on close combat direct? Ou est-ce qu'il va mettre des Vétéros? Est-ce qu'on est des BG et qu'on fait dans Slam? Vas-y, on est des BG et on fait dans Slam. Oh, il met Noissy en plus. Oh. Attends, wait. Non. On va faire close combat direct, voilà, on se fait pas chier. Je me suis dit, je vais faire Ice Punch pour le prédict encore, mais je me suis dit, ça serait un petit peu too much, et en effet, ça aurait été too much. Voilà. Oh là là. Ça fait très mal de vivre sans toi. Oh là là. Allez, mais Galam, là, il te met une pression de ouf. Là, à chaque fois qu'il arrive sur le terrain, il te fait un kill. Voilà. Par contre, j'ai rien pour venir sur Greninja, c'est très laid. Whimsicott. Vas-y. LOL. Il va mettre Irax, je pense. Donc on va switcher au. Ou Elector. Il met l'un des deux. Donc le switcher au va être absolument gratuit. Oh, il met Zapdos. Oh, le switchero. Oh, oui. T'es bloqué sur un lunette de choix. Tu vas faire quoi? Ah, bah, tu vas rien faire. Et en plus, j'ai les restes. Oh, oui. Oui, monsieur. I like this man. This is... Merci beaucoup. Je t'aime.
je t'aime. Ah là là. Bah, il va faire une attaque feu, au pire. Itran est absolument gratuit. Là, je le dépasse au niveau des prédicts. Là, c'est bon. Oh là là. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Allez, Magma Storm, absolument gratuit le Magma Storm. Là, il y a un Pokémon qui va prendre Amphinobi. Non, tu te tentes pas comme ça, frère. Et par contre, le Hydrocanon va faire très très mal. Oui, le Hydrocanon va faire très 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 mal. Ah. Mais en même temps, j'ai besoin de chaque Pokémon. C'est ça qui m'énerve. Ouais, on met Amphinobi. Ah, il fait mal, saloperie. Rate pas, s'il te plaît. S'il te plaît, Amphinobi, tu peux le faire. Pour la gloire de la chaîne. Oh mon Dieu. S'il te plaît, ne rate pas. On peut sweep la team et faire un 6-0 si tu ne rates pas tes attaques. Gars, le spitaille en plus. On est trop fort, c'est bon. On est trop fort. Yes. Là, Amphinobi te fait un carnage. Par contre, le Delectro peut tenir. Ah, j'ai oublié ce problème. Oui, on met des Météros. Voilà, le toxique est absolument gratuit. Quoique, on peut mettre les pièges de roc. Mais non, non, il va de fog. Il va HP, c'est de fog. Non. Volcarona. Oh, en plus, il met Volcarona. Ah, bah oui, j'ai bien fait de pas mettre les pièges de roc. Et de faire toxique. Ah, j'ai tellement bien fait. Bon, c'est quoi séisme? Parce qu'il va se placer, donc séisme. Absolument gratuit de séisme là. Ah, parce que. Où est-ce qu'on met Itran? Ouais, vas-y, on met Itran. Si jamais il se décide. Ah, bah tiens, je vais faire une attaque. Allez, oui, il fait le Z-move. Mais regardez ces dégâts. Oh, c'est. Tu te fais du mal. Là, je fais Toxic Provoke. Ah, il a l'HP Ground, merde. Ah! Ah ça j'avais pas prévu ça. Bon moi il pourra pas se soigner. Il pourra pas se soigner ni faire Quiver Dance s'il fait des conneries de ce genre. Du coup mon Amphinobi. Dark Pulse, hein. Pour être sûr de pas rater. Voilà, parce que j'ai pas envie de rater face à ça. Hein. Surtout qu'Amphinobi peut sweep toute sa team. Donc je préfère être safe les enfants. Zapdos. Quoique Galam peut lui aussi sweep toute la team. Se contente le flinch. Tu sais quoi, vas-y. Ah, il switch sur Tyranitar. Il a pensé quoi, le mec? Ok, bon, écoute. Pourquoi il a switché sur Tyranitar? Ok, j'ai pas trop compris. Machou, que ça fait pas très mal. PDR? PDR. Demeteros, ok. Ça va être des PDR aussi de son côté. Mais Galam! Galam, il se. Attends. Peut-être c'est un Demeteros. C'est un Demeteros Mouchoir Choix. Non, ce n'est pas un Demeteros Mouchoir Choix. C'est un Demeteros avec HP glace. Peut-être qu'il est Mouchoir Choix. Ça fait aucun dégât. Allez, dans Slam. Allez, allez, allez. J'ai pas le temps de perdre avec ça. Oh, plus il mise Zapdos. Oh, bye bye, Zapdos. Bye bye. À jamais. Il n'y avait pas de statique. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, voilà, je pense que ça. Voilà. Je pense que ça a fait une bonne vidéo là, de bonnes vidéos de Shodan pour commencer.
Eh bien voilà, je propose qu'on fasse une série, voilà, une série ladder sur Shodown, tiens. Voilà, avec cette team incroyable, avec Farfadet V et Nu, hein, vraiment très bonne team. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Allez, ciao, bye bye, tchuss.